Comment faire très facilement un cardigan? Suivez-moi dans mon atelier, je vais vous expliquer la marche à suivre. On y va? Bonjour, je m'appelle Mandy, je suis heureuse de vous retrouver dans mon atelier pour vous montrer cette semaine la marche à suivre pour réaliser un cardigan à partir de deux hexagones comme celui-ci. C'est très simple et vous pourrez le faire à partir de tout type de fil et dans toutes les tailles. Pour ce projet, j'ai utilisé la laine en promo de chez Zeman. C'est une laine qui se tricote ou se crochette avec des aiguilles ou un crochet numéro 4 ou 5. J'ai décidé de le faire au numéro 4, donc vous avez besoin de votre laine et de votre crochet. Ce modèle, vous pouvez le réaliser avec n'importe quelle laine, n'importe quel coton. Je suis occupée à le faire aussi en coton. Celui-ci, c'est un coton qui se crochette avec du 2, 2 et demi. Vous allez voir, c'est un modèle vraiment pour toutes les tailles, toutes les laines. C'est hyper simple et super chouette à faire. Vous aurez besoin aussi d'une paire de ciseaux et d'une aiguille. Pour démarrer ce cardigan, nous allons faire un nœud coulant. Nous venons chercher notre fil et nous serrons, mais pas trop, et vous allez voir pourquoi tout de suite. Donc, je fais un nœud coulant et je fais 4 mailles. Une, deux, trois, quatre mailles. Les trois premières mailles vont nous servir de bride. Dans la quatrième, donc la toute première maille que nous avons faite, nous allons faire deux brides supplémentaires. Une et deux. Ensuite, nous faisons deux mailles en l'air. C'est la séquence que nous allons devoir répéter jusqu'à avoir six groupes de trois brides. Maintenant, nous faisons notre deuxième groupe de trois brides, toujours en piquant dans la première maille en l'air que nous avons faite. Une, deux et trois. Maintenant, deux mailles en l'air et trois brides. Une, deux et trois. À nouveau, deux mailles en l'air. Ensuite, trois brides. Une, deux et trois. Comme vous pouvez le voir, la première maille que nous avons faite, comme nous ne l'avons pas trop serrée, elle peut nous servir d'anneau magique. Vous voyez, elle s'étend au fur et à mesure que l'on travaille. Ici, nous avons une, deux, trois, quatre groupes de trois brides. Nous allons en refaire deux groupes à nouveau. Donc, deux mailles en l'air et trois brides. Une, deux et trois. Deux mailles en l'air et les trois dernières brides. Vous allez devoir peut-être tirer un petit peu pour avoir la place. C'est un peu serré, mais c'est normal, ne vous inquiétez pas. Donc, trois brides. Une. Deux. Et trois. Et nous terminons par deux mailles en l'air.
Voilà ce que ça donne. Vous voyez, ça commence déjà à prendre forme. Nous allons à présent venir joindre et fermer notre tour dans là. Ici, vous avez la première maille, la deuxième maille, la troisième maille. Nous piquons dans la troisième maille et nous venons faire une maille coulée. Voilà ce que ça donne pour le moment. Et vous voyez, nous avons déjà 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6 coins. Nous avons déjà nos 6 coins. Pour le tour suivant, vous avez plusieurs possibilités. Soit vous retournez votre travail et vous démarrez dans cet espace-ci, soit vous venez faire une maille serrée dans la première maille qui se présente et une autre maille serrée pour venir rejoindre le premier espace. Dans ce premier espace, nous venons faire 3 mailles en l'air. Et deux brides. Le groupe de 3 mailles en l'air de départ sert de première bride, donc nous avons à nouveau un groupe de 3 brides. 2 mailles en l'air et dans le même espace, 3 brides. Voici. Nous passons à présent à l'espace suivant. Nous passons le groupe de 3 brides qui est ici et nous venons travailler dans l'espace suivant où nous allons faire 3 brides. Deux mailles en l'air et 3 brides. Nous passons à nouveau dans l'espace suivant où nous faisons nos 2 blocs de 3 brides espacés par 2 mailles en l'air. Dans l'espace suivant, la même chose, 3 brides, 2 mailles en l'air et 3 brides. Vous l'avez compris, nous faisons ça dans tous les espaces qui se présentent sur ce tour. Dans l'espace suivant, exactement la même chose, 1, 2, 3 brides, 2 mailles en l'air et 3 brides, 2 et 3. Nous sommes arrivés à notre dernier espace. Exactement la même chose, 3 brides, 2 mailles en l'air et 3 brides. Voilà, 2 et 3. Nous sommes arrivés à la fin de notre tour et nous allons venir, dans la 1, 2, 3e maille, nous allons venir piquer
et fermée par une maille coulée. À présent, nous allons commencer le rang 3. Nous venons faire une maille coulée dans chaque maille qui se présente. Ici, il y en a deux et ensuite une troisième. Et comme vous pouvez voir, nous avons maintenant les espaces pour les coins et nous avons un espace qui ne servira pas de coin. Donc, dans l'espace de coin, nous allons faire trois mailles en l'air qui nous sert de première bride, deux brides supplémentaires pour notre premier bloc de trois brides, deux mailles en l'air et à nouveau trois brides. Une, deux et trois. Nous avons fait un coin. À présent, nous arrivons dans un autre espace qui ne sert pas de coin. Dans ces espaces-là, nous allons faire trois brides sans maille de séparation. Voilà, donc trois brides sans maille de séparation entre ce bloc de trois brides là et ce bloc de trois brides là. Nous arrivons dans un autre coin, toujours sans maille de séparation. Nous venons faire notre séquence de trois brides deux mailles de séparation et trois brides. Comme vous pouvez le voir, nous arrivons à nouveau dans un espace qui ne sert pas de coin. Comme pour le premier, nous allons faire la même chose. Nous allons faire trois brides. Une, deux et trois brides. Sans aucune maille de séparation, nous passons au coin suivant. Et nous faisons notre bloc de trois brides. Comme nous sommes dans un coin, nous faisons deux mailles de séparation et nous revenons dans le même espace refaire trois brides. Ceci ne se fait que dans les espaces qui servent de coin. Nous arrivons à un espace qui ne sert pas de coin, donc sans séparation, nous venons faire trois brides. Nous arrivons à nouveau dans un coin. Je défais mon nœud. Ça peut parfois vous arriver d'avoir la laine qui s'emmêle comme ça quand vous crochetez. Ça n'est pas grave. Voilà. Nous arrivons à nouveau dans un coin. Donc sans séparation ici, trois brides. Comme nous sommes dans un coin, deux mailles en l'air et à nouveau trois brides dans le même espace. Un espace qui ne sert pas de coin, sans maille de séparation, nous allons venir faire trois brides. Sans maille de séparation à nouveau. Nous passons dans le coin, nous allons faire notre bloc. Trois brides, deux mailles de séparation et trois brides. Vous l'avez compris, ici
nous venons faire 3 brides, 100 mailles de séparation, puisque nous ne sommes pas dans un coin. Nous arrivons au coin, nous allons faire notre bloc, 3 brides, 2 mailles de séparation, 3 brides. Et c'est notre dernier coin. 2 et 3. Notre dernier espace de plat, je vais dire. 3 brides. Et nous arrivons au début de notre tour. Et dans la 1, 2, 3e maille, nous venons piquer et faire une maille coulée. Voilà où nous en sommes à présent. Nous avons agrandi l'espace entre chaque coin. Et vous voyez que maintenant, entre chaque coin, nous avons 2 espaces. Eh bien, nous allons les travailler comme nous avons travaillé jusque à présent. Donc, nous allons faire dans chaque coin les blocs 3 brides, 2 mailles en l'air, 3 brides. Et dans les espaces de plat, là où nous n'avons pas de coin à faire, nous allons faire 3 brides. Et entre les blocs de 3 brides de fin et de début des coins, nous ne faisons pas d'espace. Donc, je vais vous remontrer pour ce tour-ci. Nous allons jusque dans le coin ici avec des mailles coulées. Une maille coulée, 2 mailles coulées, 3 mailles coulées. Nous sommes dans un coin et nous allons venir faire 3 mailles en l'air. Deux brides, puisque les 3 mailles en l'air servent de bride, donc ça nous fait une 3e bride. 2 mailles en l'air, 3 brides. Nous arrivons dans notre premier espace de plat et ici nous faisons nos 3 brides sans faire de mailles de séparation. Nous avons un deuxième espace de plat sans mailles de séparation, nous faisons à nouveau 3 brides. Et ceci nous amène à notre coin suivant, sans mailles de séparation entre ce bloc là et celui où on va, nous allons faire 3 brides. Et comme nous sommes dans le coin là, nous allons faire nos 2 mailles en l'air et nos 3 brides suivantes dans le même espace. Nos 2 espaces de plat, 3 brides dans chaque, sans mettre de mailles de séparation entre ces 2 blocs de 3 brides. 1, 2 et 3, ce qui nous amène à notre prochain coin où nous allons faire notre bloc 3 brides, 2 mailles en l'air, 3 brides. Je vous retrouve à la fin du tour pour vous montrer la marche à suivre pour le tour suivant. Donc voilà, je me suis arrêtée à 14 tours pour vous montrer
Et c'est la même chose pour toutes les tailles. Vous faites le nombre de tours que vous souhaitez et vous allez avoir un hexagone. Donc nous avons bien 6 coins. Vous allez donc avoir cet hexagone. Et vous voyez, ça plie un petit peu dans tous les sens, mais c'est pas bien grave. Ce que vous faites, vous allez voir tout de suite, vous prenez un coin et vous allez vers le coin opposé. Et vous voyez, nous trouvons directement une forme de moitié de gilet. Voilà, donc ce que nous allons faire maintenant, c'est coudre ici dans le milieu dos et je vous retrouve une fois que c'est fait. Donc vous pouvez soit le coudre, soit maille par maille, vous venez faire une ligne de mailles serrées pour rejoindre les deux côtés dos. Voilà, je vous retrouve une fois que c'est fait. Voilà, notre gilet est refermé. Je l'ai refermé personnellement avec des mailles serrées et j'ai refermé aussi au niveau des manches en laissant un petit espace de chaque côté pour former l'encolure. Dans le cas de ce petit gilet, j'ai laissé trois dessins, trois blocs de trois brides et un espace afin de servir d'encolure. J'ai laissé ça de chaque côté. Maintenant, nous allons le remettre sur l'endroit et nous allons faire un tour tout autour de notre bord de gilet, donc tout autour des bords de devant et tout autour du bas. Pour ce faire, nous allons prendre notre bord, notre fil et nous allons venir dans l'espace du coin entre nos deux blocs de trois brides. Nous allons venir ici dans la première maille de nos deux mailles d'espace. Nous allons venir piquer là et venir passer notre fil. Et nous allons venir faire trois mailles en l'air. Et dans le même espace, nous allons venir faire deux autres brides. Sans maille d'espacement, nous allons venir dans l'espace suivant faire trois brides. La même chose dans l'espace suivant et comme ceci jusqu'au premier coin que nous allons rencontrer. Et je vous retrouve à cet espace-là. Nous arrivons dans le dernier espace avant l'angle. Et comme nous l'avons toujours fait pour le travail des hexagones, nous allons dans l'espace entre les deux blocs ici, nous allons faire la même chose. Trois brides, deux mailles en l'air et trois brides. Et nous continuons dans chaque espace qui se présente à venir faire un bloc de trois brides. Donc,
comme vous pouvez le voir. Cela se fond parfaitement dans le travail déjà fait. Et nous allons comme ceci venir tout le long faire nos blocs de 3 brides. Et je vous retrouve au niveau de la couture. Nous arrivons dans l'espace juste avant la couture. Ici, nous faisons nos 3 brides tout à fait normalement. Et ici, au niveau de la couture, vous voyez, nous avons 2 blocs. Nous avons 2 espaces. Nous n'allons pas faire 2 blocs de 3, mais nous allons venir piquer dans une maille au milieu de la couture. Hop. Et dans cette maille, nous venons placer les 3 brides. Et de là, nous allons passer à l'espace suivant et continuer nos blocs de 3 brides jusque au prochain coin où je vous retrouve. Nous arrivons à notre coin suivant où nous allons faire comme dans le précédent nos 3 brides suivies par nos 2 mailles en l'air et nos 3 brides dans le même espace. Et nous continuons à travailler ensuite un bloc de 3 brides dans chaque espace. Et en travaillant tout simplement comme cela, nous arrivons à la fin de notre bordure en rejoignant l'autre côté de l'encolure. Donc, dans notre dernier coin, nous allons simplement venir terminer par un bloc de 3 brides. Nous faisons une maille en l'air et nous venons couper notre fil. Nous allons pouvoir à présent venir faire le tour de notre encolure. Pour le tour de l'encolure, nous allons venir piquer dans la dernière maille que nous venons de faire de notre tour. Nous allons passer notre fil, faire une maille en l'air. Dans la bride horizontale que nous avons ici, nous allons venir faire 2 mailles serrées. Dans l'espace, une maille serrée. Et ensuite, dans chaque maille qui se présente, nous allons faire donc une maille serrée tout le tour du col en veillant à prendre les petits fils pour les cacher en même temps. Donc dans chaque maille qui se présente, simplement une maille serrée. Je vous accompagne jusqu'à la couture de l'épaule
qui se trouve ici. À ce niveau, nous avons une maille ici et une maille de l'autre côté de la couture. Et tout simplement, nous les prenons et nous continuons à travailler. Nous avons un, j'avais un fil ici que j'aurais pu prendre avec. Je le rentrerai à l'aiguille. Mais je vais veiller à prendre celui de l'autre épaule. Donc là, je travaille le niveau de l'encolure du dos. Toujours en prenant maille par maille, en venant faire une maille serrée dans chaque. J'arrive déjà à l'autre couture d'épaule. J'ai une maille ici et j'ai une maille ici. Et je prends cette fois-ci les fils que je vais venir cacher en continuant à travailler. Aussi simplement que cela. Et je vous retrouve une fois que cela est terminé. Donc nous allons avoir maintenant la couture de l'épaule. Ici nous avons eu la couture du milieu de travail. Nous allons encore avoir la couture de l'épaule avec une maille serrée dans chaque maille. Et nous allons terminer ici avec deux mailles serrées dans la bride horizontale et une maille serrée dans la troisième maille en l'air. Nous avons notre bride horizontale. Nous venons faire deux mailles serrées dedans et dans la troisième maille en l'air, nous piquons dans la maille et nous venons faire notre dernière maille serrée, une maille en l'air, on coupe et on tire sur notre fil. Voilà, donc maintenant le bord de notre gilet est terminé. Le bord ici en dessous et notre tour de cou. Nous allons couper les petits fils qui dépassent, que nous avons pris dans le travail tout le long, et ces fils que nous avons, dans mon cas, oublié, nous allons venir les rentrer avec une aiguille. Il nous reste maintenant, pour terminer, à venir faire le tour des manches, si vous le souhaitez. Pour nos manches, nous avons plusieurs possibilités. Nous avons la possibilité de la laisser telle qu'elle. Il faut savoir que telle qu'elle, vous allez avoir, ici c'est un petit, donc ça va arriver à la moitié du bras. Vous avez la possibilité, en faisant comme nous avons fait pour le tour du gilet, les bords du gilet, de venir refaire des tours de blocs de 3 brides dans les espaces pour venir allonger la manche. Et vous avez la possibilité aussi de venir ici faire un simple bord ou un bord qui va venir resserrer. Je vais vous montrer comment faire un bord en côte, donc pour venir resserrer un petit peu au niveau du bord de la manche. Pour cela, nous allons venir prendre notre fil et je vais faire un petit zoom. Pour que ce soit vraiment bien resserré, nous avons travaillé le gilet avec un crochet numéro 4
Et je vais ici prendre un crochet numéro 3. Je ne sais pas si ça se voit vu la couleur. Mais voilà, donc un crochet numéro 3. Nous allons venir piquer dans la couture. Prendre notre fil. Et passer dans cette couture. De là, nous allons faire 3 mailles en l'air. Et dans chaque maille, nous allons faire une bride. Donc c'est tout facile. Nous faisons notre tour de manche avec une bride dans chaque maille. Voilà notre dernière maille. Et nous allons venir compter 1, 2 et 3 mailles et venir piquer dans cette troisième maille pour venir fermer notre travail avec une maille coulée. À présent, nous allons faire nos côtes. Pour faire des côtes au crochet, nous montons 3 mailles en l'air. La première bride qui se présente, nous allons venir l'envelopper par l'arrière. Pour ce faire, nous venons piquer et prendre la bride sur notre crochet. Donc on prend la bride sur notre crochet en passant notre crochet derrière la bride. Nous prenons notre fil, nous le faisons passer en dessous de la bride et nous venons terminer notre bride. La bride suivante, nous allons l'envelopper par l'arrière. Par l'avant, pardon, nous avons enveloppé par l'arrière ici, nous allons l'envelopper par l'avant ici. Au lieu de venir chercher la bride en passant le crochet par l'arrière, nous allons aller à l'arrière de notre travail et venir chercher la bride en l'enveloppant par l'avant. Nous passons notre fil et nous venons faire notre bride. Et donc c'est une alternance. Maintenant nous avons fait par l'avant, nous refaisons par l'arrière. La suivante, je vous remontre. On passe notre crochet comme ceci pour venir chercher la bride. Et nous faisons notre bride. On prend par l'arrière et on prend par l'avant. Et c'est comme ceci que nous allons avoir une illusion de côte. Comme au tricot. Je termine le rang et je vous retrouve. Voilà, plus que quelques points à faire. Et nous arrivons au début de notre rang et dans les mailles en l'air, nous venons à la 1, 2, 3e maille en l'air, nous piquons dedans et nous faisons notre maille coulée pour refermer notre rang. Et vous voyez, cela fait un effet de côte. Et pour encore avoir cet effet de côte un peu accentué, je vais faire un deuxième rang de la même manière. Donc je monte mailles en l'air. Vous voyez ici la maille, la bride ressortir vers vous. Donc vous la prenez par le dessous. La suivante, vous voyez qu'elle s'enfonce. Vous la prenez comme ceci par le devant.
celle qui est vers vous, vous passez en dessous. Il faut que je fasse mon jeté avant. Vous la prenez en dessous. Celle qui est enfoncée, vous la prenez par le dessus. Et comme ceci tout le tour, une fois par le dessous, une fois par le dessus. En veillant bien, s'il vous plaît, à bien prendre la bride et non pas de rentrer dans les mailles. Vous prenez bien la bride. Et voilà, et donc vous faites votre tour comme cela et arrivez à la fin du tour. Vous terminez par une maille serrée dans la troisième maille des trois mailles en l'air que vous avez fait en début de rang. Voici notre cardigan terminé. J'espère que ce tuto vous aura plu. S'il y avait quelque chose que vous n'ayez pas compris, dites-le-moi en commentaire et je tâcherai de vous répondre. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, d'activer la cloche pour les notifications afin de ne pas rater le prochain tutoriel et les suivants. Et s'il vous plaît, mettez-moi aussi un petit pouce bleu et je vous retrouve la semaine prochaine pour un nouveau tutoriel. À bientôt !